Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos abonnements, n'hésitez pas à y un like. Eh bien aujourd'hui on va voir un thème. Y aura-t-il la rencontre avec lui? Eh bien très intéressant, on va voir comment votre relation peut évoluer et quel sera le résultat. Eh bien y aura-t-il la rencontre avec lui? Et vous savez, tout de suite, je vois que peut-être vous avez des empêchements dans votre vie, peut-être même vous vous sentez un petit peu éloigné, isolé, c'est possible, et aussi peut-être il y a comme un mur de protection que vous faites autour de vous, peut-être vous vous sentez un petit peu renfermé, c'est possible, il y a quand même des empêchements, des barrières entre vous dans votre relation. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? L'étoile, alors le rêve se réalise. Eh bien, vous devez penser à votre futur, qu'est-ce que vous réaliser peut-être la guidance des cartes, que vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Ça peut concerner votre rêve en général, votre relation, peut-être pour la question, y aura-t-il la rencontre avec lui? Eh bien, c'est quand même la carte qui est très très positive, que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez dans cette relation. Donc voilà, mais vraiment, vous devez être authentique. Donc, pensez vraiment à vos désirs les plus profonds, les plus importants pour vous. Vous pouvez les réaliser. Eh bien, et regardez la roue de la fortune. Alors ça c'est magique, c'est la vie qui va vous donner la chance. Vous savez peut-être aussi vous avez des difficultés, nous avons vu du début qu'il y a peut-être des événements qui vous empêchent d'être ensemble. Eh bien la vie va vous donner des chances de peut-être d'avoir des changements. Faites cette rencontre et il y aura peut-être des événements, vous allez vous retrouver dans un au même moment, au même endroit, c'est possible. Ou peut-être vraiment il y aura des circonstances incroyables et cette rencontre il va surpasser. Donc prochainement, préparez-vous à cela. Mais attention, c'est cyclique. Il faut vraiment profiter cette chance. Et si vraiment il y aura cette rencontre, vous devez penser à comment vous souhaitez changer votre vie dans le futur. Qu'est-ce que vous souhaitez avec cet homme? Donc justement, le rêve que vous voulez réaliser pour le futur, eh bien, et vous savez, j'ai comme la carte qui nous montre que vous pouvez peaufiner votre relation, faire attention aux détails, peut-être continuer votre relation. Donc voilà. Peut-être vous connaître mieux, pour finir vraiment votre relation dans le futur. Mais c'est quand même très positif, et bien. Et vous savez aussi, ça me montre que la période difficile se termine. Si vous avez eu des difficultés, des inquiétudes, des pensées négatives, vous posez beaucoup de questions, et bien, ça se termine. Et votre vie va changer. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre par rapport à cette rencontre? Et je vois aussi un accent sur les inquiétudes que vous pouvez avoir. Vraiment, ça peut vous préoccuper. Donc, votre futur, justement, vous sentez un petit peu, donc, renfermé par ces peurs. Donc, c'est tout à fait possible. Eh bien, et regardez, alors, je vois quand même que monsieur, il va se présenter, sachez cela. Et il aura aussi des petits changements dans le futur, une petite évolution. Vous savez, c'est pas rapide. C'est doucement, mais sûrement, vous allez vers le résultat dans le futur. Et c'est un petit peu la carte de stabilité, de confort. Eh bien, je pense que monsieur, il est orienté vers cela et peut-être aussi, en ce moment, il travaille beaucoup et le côté financier, ça le préoccupe beaucoup. Peut-être il passe beaucoup de temps donc à son travail pour justement avoir la réussite pour le futur. Eh bien, et vous savez, j'ai un accent également que peut-être vous avez eu un petit conflit, c'est possible, et ça vous inquiète et vous posez des questions. Est-ce qu'il y aura la suite, donc dans notre relation, qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Mais vous savez, c'est un petit peu la carte de victoire, mais ça peut être difficile. Je vois quand même que ça vous préoccupe. Alors, vous allez vous montrer quelqu'un très intelligent. Eh bien, vous savez, vous allez peut-être faire une certaine stratégie. Donc, en plan, ici, vous ne vous suivez pas vos émotions, vous n'êtes pas impulsif, mais vous pensez plutôt donc à votre plan, à comment vous souhaitez changer votre vie et avancer dans le futur. Donc, c'est possible. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Il y a alors la carte de gagnant. Vous savez, c'est un petit peu la carte victoire, donc succès. Et vraiment, je pense que, est-ce qu'il y aura la rencontre? Bien sûr que oui, la réponse est positive, mais pas tout simplement. Je pense que même avec cette rencontre, vous pouvez voir comment votre relation peut être évoluée dans le futur. Et peut-être vraiment avec vos projets, donc votre analyse, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Vous devez compter vraiment sur votre personnalité. Donc voilà, et vous savez aussi, je peux vous dire que par
rapport à votre personnalité, d'un premier regard, vous pouvez être un petit peu froide. Donc voilà, et peut-être aussi, c'est par rapport à votre caractère que vous vous renfermez. Vous ne devez pas être faire comme ça. Donc vous devez vraiment vous ouvrir aux perspectives et à la chance qui arrive dans votre vie. Mais la carte du gagnant, vous avez la victoire, le succès, des bonnes nouvelles. Et vraiment, tout l'entourage, ils vont voir cela. Eh bien, quelle sera l'évolution? Vous savez, il aura peut-être un choix difficile, donc préparez-vous à cela. Eh bien, mais vous savez, pour cela aussi, vous devez tout bien analyser par rapport à votre futur. Et ça concerne quoi exactement? Qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, c'est la carte de tradition. Peut-être, pour vous, ça sera le choix. Est-ce que je continue ma relation vers quelque chose stable, confortable? Est-ce que je change ma vie ou je laisse tout comme avant? Parce que justement, par rapport à donc ces premières cartes, on voit que ça vous inquiète. À mon avis, ce choix, donc le changement dans votre vie, eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et regardez, alors j'adore, ici je vois une autre femme, eh bien, vous vous faites plaisir, même vous pouvez même faire du shopping, mais ça me montre aussi que vous avez cette stabilité dans votre vie, le confort est vraiment vous êtes contente de votre vie, donc c'est cette énergie que je vois, et peut-être aussi c'est la femme qui a une famille, un petit peu dans les indices des cartes, c'est une femme qui a un statut également, qui peut avoir la famille, des enfants, donc les situations confortables, c'est peut-être ça qui vous attend, la tradition, la relation traditionnelle, eh bien, vous devez savoir cela, eh bien, et regardez aussi, alors vous pouvez avoir des transformations globales, peut-être là quelque chose qui se termine dans le passé, c'est peut-être ça qui vous inquiète beaucoup. Si vous acceptez avoir ces changements, forcément, donc il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être votre ancienne vie, donc voilà, et vous devez vous adapter à cela. Mais il y aura quand même des bonnes nouvelles, la carte de résultat, eh bien, par rapport à vos projets, perspectives, je pense que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, et c'est un petit peu la carte de partenariat, vous devez faire tout ensemble, donc réaliser ensemble, mais comme la carte qui est très très positive, eh bien, quel sera le résultat pour vous dans votre relation? Alors regardez, monsieur, il va se montrer quelqu'un romantique, donc sensible. Je pense qu'il y a, il y a bien les sentiments vis-à-vis de vous et elle souhaite vraiment montrer cela. Donc sachez cela, et eh bien très intéressant quel sera le résultat. Et alors magicien, ça me montre d'un côté que alors monsieur, il va également faire peut-être sa stratégie par rapport au futur. Lui, il a aussi ses idées. Comment elle souhaite changer sa vie? Nous avons vu ici qui lui est orienté vers le confort, la stabilité, donc elle souhaite avoir la relation traditionnelle avec vous dans le futur. Et de l'autre côté, vous devez avoir confiance en vous, qu'en général tout est possible. Vous avez dans votre caractère, tout pour réaliser vos projets, donc ce que vous souhaitez faire en, donc, dans le futur, c'est tout à fait possible. Confiance en vous, eh bien, et vous savez aussi un accent sur vos deux caractères, eh bien, vous devez compter vraiment sur vos deux personnalités, et ensemble, vous pouvez réaliser vos projets dans le futur. Vous pouvez également compter sur votre entourage, les amis, les gens qui sont autour de vous, ils peuvent vous bien conseiller également. Et regardez, alors, j'ai parce que je pense que monsieur, il va se montrer quelqu'un généreux. Il aura l'attention par rapport à vous. Peut-être il aura un cadeau également. Et ça me montre aussi que le côté financier que vous pouvez développer dans le futur. Donc peut-être c'est par rapport à la perspective de monsieur. Nous avons vu qu'en ce moment, dans le travail, ils essayent de développer sa situation. Il aura le côté financier donc qui sera changé et, au positif. Eh bien, et regardez, alors j'adore parce que, alors vous, finalement, les sentiments vont prendre dessus et vous allez vous montrer aussi une femme romantique, sensible. Donc, je pense que vraiment les sentiments vont compter plus pour vous finalement. Et je pense que vraiment tout est possible pour votre futur, votre relation, la suite, le développement. Donc, sachez cela. Bien, je vais vous montrer vraiment. Il y a de très belles cartes que vous devez voir. Déjà, vos deux personnalités, et bien, la carte du gagnant, et vraiment cette.
cette même bénédiction de la vie que vous avez. Regardez vraiment, nous avons commencé par le rêve qui se réalise. Et tout est possible. Vous pouvez tout à fait avoir la victoire, le succès, réaliser ce que vous voulez. Et plutôt vous, vos deux personnalités, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Eh bien, très intéressant quand même. Donc, je pense vraiment pour la question, y aura-t-il la rencontre? Oui, bien sûr, c'est la vie qui va vous donner cette chance. Et après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez avoir des changements dans le futur. Mais moi, j'ai vu quand même, vous, madame, vous avez cette personnalité que d'un côté, vous pouvez analyser les situations, mais en même temps, vous avez des sentiments et vous êtes orienté vers cette stabilité. C'est peut-être ce que vous attend dans le futur. Eh bien, je vais voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter. Et vous devez prendre plaisir dans la vie, vous savez. Et là, ici, je vois que peut-être il y aura une fête qui sera organisée. Eh bien, passez du temps agréablement, à profiter des moments présents dans votre vie. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et quoi d'autre? Et regardez l'évolution rapide dans votre vie. Vous savez, c'est une très belle carte qui me montre que avec votre initiative, votre détermination, vous avancez vers le futur, vous avez plein de changements positifs dans votre vie et vraiment, ça, tout dépend de vous, mais vous avancez rapidement. Donc, préparez-vous que peut-être il y aura des changements rapides par rapport à votre décision. Donc, voilà, mais vous sortez comment gagnant, tout est possible. Vous devez croire en vous et tout commence par un rêve. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie, réussite, amour et n'oubliez pas, le destin vous appartient.